Bonsoir Baldi Lachaidou, je suis le pharmacien chef du CHU. Donc je disais, en pareille circonstance, il faut éviter de donner tout ce qui est aliment gras, particulièrement le lait. Pour la simple raison, c'est que dans la fumée qui s'échappe, nous avons des particules qui sont lipophiles. C'est des particules donc qui sont solubles dans tout ce qui est huileux. Notre peau étant huileuse, donc ces particules se déposent sur la peau et vont passer dans la circulation sanguine. Si on donne du lait, ça va faciliter la diffusion de ces particules dans l'organisme et ces particules vont venir s'accumuler au niveau des poumons et du cerveau qui sont les deux organes, les deux parties du corps qui sont les plus riches en gras. C'est pour ça que le lait et tout ce qui est gras est contre-indiqué à ce stade. Par contre, amener les gens à boire beaucoup d'eau, puisque en buvant, ils vont éliminer ces particules par les urines. Tout ce qu'ils ne vont pas pouvoir éliminer par les urines va pouvoir s'éliminer par les sels. Donc donner beaucoup, beaucoup d'eau et pas du tout de lait.